Non, mais... de pouvoir organiser quasiment quoi, c'est 15 interviews, n'est-ce pas? Ouais. C'est quoi le processus là? Ça prend combien de temps? C'est quoi les challenges? Parce que bon, ces différentes personnalités créatives, ces différents égos, Ouais. c'est quoi le processus là? Bon, la majorité des personnes que j'ai prises, étant moi-même dans le domaine du son, tout ça, que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit en tant que réalisateur de clips ou bien en tant que juste art worker pour certains artistes, ça fait que je connais une grande partie du game avec vraiment différentes générations, que ce soit les plus vieux comme les plus anciens. Il y a d'autres qui sont dans le documentaire que je ne connaissais pas avant de faire le documentaire, mais il y a d'autres avec qui j'avais déjà travaillé, tout ça. Du coup, pour ceux que je connaissais déjà, c'était beaucoup plus simple dans le sens où je fais un message, Yo man, je suis sur un documentaire en ce moment et j'aimerais vraiment que ton expérience, ton témoignage soit à l'intérieur du doc. Et au fur et à mesure que ça se faisait, je rencontrais de nouvelles personnes. H1 me conseillait de nouvelles personnes qui pouvaient, genre, étayer plus, qui pouvaient mieux développer des trucs. C'est comme ça que les connexions se sont faites avec d'autres personnes, par exemple, avec T-Swarin Jazz. Avant le doc, je le connaissais en tant qu'artiste. On avait échangé lors d'un after et tout sur Edito, tout ça. Mais genre, jamais j'avais pris mon téléphone pour lui envoyer un texte que, ah, grand, voilà. Mais je lui parle du projet, il est tout de suite chaud. Et du genre, il me truc là, il me dit, bon, on doit s'appeler, tout ça. On s'est appelé. Et en gros, on a fait tout le documentaire, normalement, toute sa partie d'interview, d'abord en off. Donc, on a un appel de 1h30, voire 2h, tu vois. Tout ça, là, en échangeant, en échangeant, en échangeant. Et après, je lui ai dit, mais OK, certes, là, on vient de faire ça en off, mais ce serait important qu'on filme ça, tu vois. Après, il y a ça, on a filmé par la suite avec son équipe, ils ont géré. Il y a les gars de mauvaise haleine, je suis passé par une connaissance et tout, qui m'a dit que, bon, je connais tel, 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 qui traîne dans l'entourage du MH, tout ça. C'est mon enclos, machin et tout, passe par lui, La je gère la connexion. connexion, tout ça. Man, ça monte seulement de connexion. Et du coup, ce qui fait que quand je descends bah, dans leur ville à Nantes, j'appelle pour faire l'interview, tout ça. Après, ça se fait, quoi. Bon, l'interview de lors des communes dont on devait faire ça, le jour, enfin, l'heure à laquelle je remontais sur Paris. Ça veut dire qu'on n'a pas pu tourner parce que j'étais déjà en train de partir à la gare quand il me dit que finalement il s'est libéré, tu vois. Et normalement, c'est à reprogrammer. Normalement, bah, quand il monte là, Inch'Allah. Mais sinon, avec Pat, ça s'est fait comme ça. Mais hyper bienveillant, enfin, tous même. Toutes les personnes qui sont dans le documentaire ont été hyper bienveillantes et tout. Ils sont ramenés, ils ont partagé leurs trucs. Ils ont donné des tips, ils ont donné des docs que tu peux pas t'imaginer, quoi. C'est dingue. Nice. Oh, toi, tu es carrément en train de devenir un savant carrément de la musique gabonaise. Justement, le but, c'est de partager l'expérience que moi j'ai reçue, quoi, au maximum. Tout Et en défendant mon point de vue. est-ce qu'il y a eu genre des artistes que tu voulais inclure qui n'ont pas répondu? Ouais, mais je pense que c'est dans tous les projets, tu vas imaginer genre vraiment le déroulement, ça peut se passer mieux, ça peut se passer moins bien, mais ce sera jamais réellement comme tu l'as pensé de A à Z. Il y a des artistes que je voulais absolument pour ma propre sensibilité face à leur projet, face à leur content et tout.
Par exemple, les gars de La Fuente, moi, j'ai saigné leur musique quand j'étais plus jeune, tout ça. Donc, je me disais que c'était inconcevable de faire un documentaire sur l'industrie musicale gabonaise et de ne pas mettre La Fuente. Mais il y a d'autres aussi que je n'ai pas contactés, quoi. Mais je voulais bien qu'ils soient là. Mais c'était juste une envie. Et puis, je me suis dit, non, mieux on laisse le sacré, par exemple, à Kenenge, ça aurait été trop fort. Mais c'était beaucoup d'appréhension, ou bien beaucoup de. Ouais, on me balade, parce qu'il y a beaucoup de grands qui m'ont baladé. Il y a les stats, enfin, balader, c'est en mode. Ouais, il te dit qu'il est chaud. Maintenant, quand on programme les trucs, il te laisse en air des mois et des mois. Je peux comprendre que les gens soient occupés, tout ça, tout ça. Mais c'est des trucs où j'ai contacté les gens quand même en février, mars et jusqu'en juillet, ça s'était pas fait. Bah, jusqu'aujourd'hui, ça s'est pas fait, quoi. Je suis toujours en air là-bas dans les DM, donc tu vois que c'est chaud. Manny, le truc, moi, tu vois, moi j'ai un petit cœur, tu vois. C'est pour ça que j'ai des difficultés à manifester certaines choses, man. Ouais. Parce que, genre, bah, si je t'ai envoyé Dang. le message, c'est que là, c'était le plus de l'humilité, grand. En Laisse-moi fait, tranquille. mais c'est dingue, c'est dingue. Dans le sens où moi je me dis, je fais le bail, c'est pour qu'on trouve des solutions ensemble. Normalement, ça va bénéficier à tout le monde. Et justement, la plupart des, enfin, toutes les personnes qui ont accepté. En dehors de ceux avec qui j'ai des contacts directs, tout ça, ils n'ont pas fait ça pour moi. Ils ont fait ça parce qu'ils savent que bon, la démarche est correcte. C'est un plus pour toute l'industrie. Pour qu'on la crée, justement. Et du coup, ils veulent mettre leur pierre à l'édifice, tu vois. Mais les autres, bah après, tout le monde ne peut pas avoir la même vision que moi par rapport à ça, tu vois. Suis obligé de laisser. Obligé. Mais forcément, tu as une douleur. Moi, là, tu vois, quand il m'envoie chez son manager et puis son manager me dit non, je dois contacter leur label là, soit Universal, soit Def Jam, je ne sais pas. Mais il me dit que non, je dois contacter le label et tout pour qu'ils donnent leur accord, tout ça, tout ça, tout ça. Et que les semaines et les mois passent sans rien. Ça me fait mal, forcément, sachant que c'était des gens que je voulais absolument. Et il y a d'autres que. À qui je n'avais pas pensé, mais qui sont dans le documentaire, tu vois. Donc, ça se passe jamais comme tu as prévu sur le papier. Rien. C'est dingue. C'est comme je c'est l'une des petites citations que je garde proche de mon cœur depuis que j'ai commencé le bail là. Ouais. J'ai volé ça. Un producteur de films ricain ici, j'ai oublié son nom, je vais lui donner le crédit là un jour. Il lui dit que tous les, dans la création de films, tous tes projets vont toujours briser ton cœur. Et ces gens, et bon, je ne peux pas comparer ma petite situation à la situation de tout le monde, mais j'aime dire genre. Les épisodes des podcasts, là, tu as vu comment commencer tout à l'heure, c'était un film, non? Man, imagine, man, les choses de la honte à chaque fois. Dang. Mais genre, dans le processus, tu apprends, tu développes quelque chose, bon, de semi-original jusqu'à ce que tu arrives à. Bon, je ne suis pas en train de définir ce que tu fais en tant que semi-original. Je vous connais. Mais c'est genre en fait moi je suis vraiment intéressé par le processus à l'arrière parce que c'est la partie dont on parle rarement. Les gens vont déguster le documentaire pendant 2 heures, 1 heure, 1 heure 30, mais personne ne va parler du fait que les 1 heure 30 là, ça a pris quasiment 1 an, 2 ans. Ça a pris email les gens que tu respectais pour après leur manquer de R. Je vois un peu. Non, moi je reste dans le respect. Non, je ne manque pas de respect. Mais en fait, c'est vraiment ça.
On exprime. On exprime. Ouais, mais genre, je me suis dit, le monde ne peut pas penser pareil. C'est pas parce que toi, tu veux développer le bled que tout le monde a envie de développer le bled. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il te dit non. Tiens, sers la douleur. Tu as envie de salir son nom, tu as envie de faire des ouais. Mais il n'est pas obligé, tu vois. Mais ouais, tu as la douleur forcément. Mais le processus en lui-même, comme tu dis, ça a pris du temps, de l'énergie, des nuits de sommeil en moins, d'isolement, même d'isolement social, tout ça, tu n'as pas envie de... Enfin, tu vois tes proches vite fait, mais genre, tu ne peux pas DM une petite pendant que voilà, tu es en train de construire tout ça là, sachant que ça te prend du temps, sachant que... C'est-à-dire que même si j'avais une go, elle devait dire que, ah non, là frérot, là c'est fini, machin et tout, parce que là, ta seule concentration là, c'est le documentaire, et c'était ça pendant toute l'année. Dingue!